Et donc, yo les potes, c'est Guylaine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, les gars. Donc aujourd'hui, on va dessiner le Monsieur M en pixel art. Donc c'est un personnage de Brawl Stars, les gars, qui ressemble à un pingouin, voilà. Donc alors, le matériel pour... qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel? Eh bien, il faut avoir un gris, du bleu clair, du jaune, du orange, du bleu foncé, du violet clair, du rouge et ce bleu, voilà. Donc ah oui, j'avais aussi un feutre, donc c'est le feutre noir, attendez. Et bien sûr du feutre noir, les gars. Donc on va commencer par les pieds. Enfin ouais, bah, par les pieds, voilà. Donc alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4. Ouais, non, pire, les gars, on va quand même d'abord commencer par les points, en fait. Je me suis trompé. Alors, ensuite, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Ouais, donc les gars, donc là on est actuellement aux 2970 abonnés, les gars. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous, activez la cloche de notification, les gars, parce que là on est vraiment bientôt aux 9000. Dans 30 abonnés exactement, on est aux 9000. Voilà. Voilà. C'est vraiment un truc de ouf. 1. Ah oui, et aussi les gars, si vous n'arrivez pas à suivre la vidéo, mettez-le moi dans les commentaires si vous voulez plus doucement ou plus rapidement, voilà. Voilà. Pour les personnes qui n'arrivent pas à suivre, ok. Oh, franchement le dessin il est bien parti là, donc là on est vraiment bien. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Et là. Voilà les gars, donc là on a déjà fait le contour de la tête, les gars, voilà. Ensuite après ça on va faire 1, voilà, ensuite 1, 2, 1, 2, si c'est ça normalement, attendez voir, je suis en train de réfléchir, 1, 2, 3 et 4, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après là, 6. Ensuite, 1, 2. 1, 2, 3. Sept. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non mais là c'est ici. Alors ici les gars, je vous dis juste, si vous arrivez pas à suivre, hein, donc c'est normal. Hein, je vous dis juste c'est normal. Parce que là il y a des trucs qui même moi j'arrivais du mal à faire. Voilà. C'est vraiment hyper chaud, hein, la vie. Hop. Non, la vie, les gars, c'est hyper chaud. 1, 2, 3.
9, ensuite là, 1, 2. Ok. Et là, normalement, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors là, normalement, ça doit être bon. Là, ensuite, 1, 2, 3. 1, 1, 2. Et là, hop, on monte. Et voilà. Donc là, on va faire les contours et après, on va transformer l'intérieur. Voilà, et donc voilà les gars, donc là, on vient de dessiner le contour. Ensuite, donc ce que vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Ensuite, vous allez dessiner tout l'intérieur. Voilà. Ici, j'ai oublié un petit truc ici. Donc là, vous faites 1, 2, 1. Voilà. Donc c'est juste pour la main, en fait. Ok. Après ça... alors là, vous allez dessiner un de ces... je crois que c'est sourcils, ouais, effectivement. Donc là, vous faites 1, 2, 3, 4... Non, 5, pardon. Ensuite, là, vous faites 1, 2, 3. Et là, et en haut, vous faites 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez faire... deux, trois, voilà. Ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. Et donc, voilà. Donc, le noir, on va s'en servir plus tard pour faire les yeux. Ensuite, vous allez prendre le orange et on va dessiner son bec, donc en orange et en jaune. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, là, il n'y a pas besoin de faire de coupure. Ensuite, vous allez prendre le jaune. Et vous allez faire... Au pire, je ne vais pas faire le nez. Voilà, comme ça. Après ça, vous allez prendre le noir et on va faire les yeux. Ok. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le bleu foncé. Ouais, foncé, ouais, un peu foncé. Et vous allez dessiner, alors déjà ça, hop, vous prenez le marqueur, hein. moi je pensais prendre le marqueur, comme ça ira plus rapidement, hop. Ok, donc là vous laissez le carreau, vous allez voir pourquoi. Après ça, hop, hop, et là. Ok. Ensuite, vous allez prendre le rouge et voilà. Ensuite, vous allez prendre le bleu clair et vous allez alors ça aussi c'est un côté compliqué, donc là je vais vous faire des points parce que là c'est hyper chiant à faire.
Donc là, on va faire toute la zone qui est à l'intérieur. Donc là, la zone qui est à l'intérieur. Hop. Et ensuite, la zone qui est là aussi. Tiens, voilà. Voilà les gars, donc alors donc la vidéo est pas terminée, donc là je pense que vous avez remarqué j'ai fait une faute. Bon, je trouve le dessin il est plus stylé comme ça, donc moi je vous conseille de le faire comme ça. Donc en fait normalement ici c'était du bleu clair et là normalement du bleu foncé, mais franchement je pense que comme ça je trouve sa tête elle est large, beaucoup plus stylée. Voilà, donc si vous avez mis du bleu clair là en haut, vous avez mis du bleu foncé en bas, c'est pas grave. Voilà, donc si vous avez juste inversé les couleurs, ce n'est pas grave du tout, voilà. Donc moi je trouve qu'il est vraiment hyper stylé comme ça, voilà. Ensuite vous allez prendre le bleu foncé, hop, hop, voilà. Après là vous allez prendre du jaune. Des deux côtés. Vous allez prendre le gris. Ouh là 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 là. Oh j'ai failli faire tout de la com. Le gris, vous allez dessiner là en bas. Ok. Et la toute dernière couleur, les gars, le violet clair. Et vous allez dessiner en bas. Voilà. Ah non, les gars, c'est pas fini. Non, c'est une petite blague. Le gris ici. On prend le gris et on dessine ici le gris clair, hein, bien sûr, c'est du gris clair, hop, voilà. Et voilà, donc le dessin il est terminé, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si on a inversé les couleurs. Lâchez un énorme pouce bleu les gars, donc j'espère qu'on pourra atteindre au moins les 50 pouces de cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour atteindre les 10 000 abonnés au plus vite les gars. Et sinon, n'hésitez pas à me proposer des pixel art dans la barre des commentaires ou des vidéos normales. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.